stereophonic sound for the home is recorded on two separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on... Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve sur la piste d'essai de Ladoux, plus connue sous le nom de piste d'essai Michelin. Il faut savoir que c'est un endroit où on rentre pas, c'est très secret. Et merci à Ford de nous avoir invités ici, où je peux vous faire rentrer. Ici, il y a 21 pistes d'essai, 43 km de pistes d'essai. Et aujourd'hui, ici, dans le berceau du savoir-faire français du pneu Michelin, on est venu essayer cette Ford GT 2017. Donc un petit peu d'histoire quand même derrière cette voiture. Pourquoi Ford l'a produite ? Ford a une histoire avec la GT, ils ont commencé avec la GT40. Ford voulait aller au Mans pour battre Ferrari et gagner. Ils sont allés au Mans en 1964. Et à partir de 1966, ils ont gagné en 66, 67, 68, 69, 4 victoires consécutives avec la Ford GT40, dont les deux dernières avec la même voiture. Et du coup, Ford voulait revenir avec l'introduction de la Mustang en Europe qu'il y a eu ces dernières années, voulait revenir au Mans pour gagner. Au début, ils se sont dit qu'ils voulaient revenir avec une Mustang style GTE, mais ils auraient eu un gros désavantage aérodynamique par rapport aux Ferrari et aux Corvette, aux autres voitures. Parce que la Mustang, bah, c'est un tank. Et du coup, Ford a ensuite mis ce projet aux oubliettes qui s'appelait Project Silver. Ça a commencé, puis ils ont abandonné le projet. Pour ensuite développer une voiture, une sorte de prototype du Mans, Ford, avec un moteur V6 3.5 EcoBoost biturbo. Et donc, ils n'ont pas eu trop de succès avec cette voiture. Donc, ils se sont retrouvés avec un moteur, mais pas de voiture. Et ils ont décidé de faire renaître la Ford GT. Ici, on a la version de route. Mais en fait, le développement a commencé par la version de course. Et le projet est né fin 2013, début 2014. Et les premiers modèles de pré-production sont sortis en 2016. Donc, ils ont eu 2 ans pour faire tout le développement technique et design d'une voiture à partir d'une page blanche. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable, les Américains sont assez forts. Ford revient au Mans du coup en 2016 avec la Ford GT de course et gagne dans la catégorie GTE. Ils reviennent, ils gagnent. Première et troisième place. Ici, c'est un lieu très secret, la piste de Ladoux. Tout est fermé, tout est contrôlé. La piste est aussi secrète que l'a été le développement de la Ford GT. Cette voiture a été développée en sous-sol aux États-Unis chez Ford. Les ingénieurs ont dû travailler en secret. Ils n'avaient même pas de badge électronique pour ouvrir les portes. Ils avaient des clés pour que même les gens de la sécurité qui connaissent les badges ne soient pas au courant qu'il y a un truc qui se déroule. Le développement de la voiture n'a pas eu de nom de projet. Ça a été vraiment fait en secret. Et c'est pour ça que c'était une énorme surprise en 2015 quand ils l'ont dévoilé. Et du coup, la FIA, les règles de la FIA, la Fédération Internationale Automobile, pardon, exigeaient qu'il y ait des modèles de série qui correspondent aux modèles de course. La Ford GT40 de course devait avoir des modèles de série pour être dans les règles. Donc Ford a été dans l'obligation de produire un modèle de série que voici. Et donc ça, c'est une voiture qui a été dérivée du modèle de piste. Elle a été construite autour de l'aérodynamique, des contraintes aérodynamiques vraiment, notamment les suspensions à l'arrière, les conduits d'aération. Ici, si je commence à vous montrer, l'air rentre par ici, il repasse par là pour ensuite aller dans le moteur. Donc voilà, la Ford GT 2017. Elle est propulsée à l'arrière par un moteur V6 3.5 litres biturbo EcoBoost de 647 chevaux. Un autre truc à savoir sur le moteur, c'est qu'en général, les moteurs turbo sont connus pour avoir un temps de réponse à l'accélération. Ça répond pas aussi vite, aussi rapide qu'un moteur Atmo. Sauf que Ford a développé un système anti-lag qui, à partir de 3000 tours minute, fait qu'il n'y a pas de temps de réponse en appui, ça part. La voiture est très légère, à sec elle doit faire autour de 1300 kg. On a une boîte automatique à double embrayage évidemment. Roue arrière motrice, 4 gros freins carbone céramique. On va regarder un petit peu l'intérieur. L'intérieur aussi a été construit en fonction des contraintes aérodynamiques. Si vous regardez bien, les deux sièges sont vraiment collés. Le conducteur et son passager sont épaule contre épaule. Tout simplement pourquoi ? C'est pour avoir un profil aérodynamique frontal le plus étroit possible. Donc c'est vrai que quand on regarde, la voiture est large, mais le profil en haut là est très étroit. C'est le meilleur profil dans sa classe comparé à Ferrari, McLaren, tout ça. On va ouvrir les deux portes parce que c'est quand même magnifique. Ah, elle a une prestance cette voiture. Hop, Ford GT, 647 chevaux, vitesse de pointe 347 km/h, un 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Et je vais avoir la chance de pouvoir faire quelques tours sur piste avec cette voiture. Enfin, c'est une chance inespérée. Enfin, c'est absolument incroyable. Le dessin, comme je vous l'ai dit, a été fait en fonction des contraintes aérodynamiques. À l'avant, on a un système de flux d'air qui est extrêmement complexe. Je ne me rappelle même plus du nom et je ne suis pas ingénieur, donc je ne vais pas essayer de vous le détailler. Mais en gros, en mode track, la voiture descend. Là, elle fait
elle est à 120 mm du sol, en mode track. Elle descend de 50 mm, donc à 70 mm, alors que la voiture de course est à 60-65 mm de hauteur. Donc on a juste une différence de 5 mm de hauteur entre ça et la voiture de course en mode track. Et en mode nose lift, elle monte à 170 mm pour passer au-dessus des dodanes. Et donc pourquoi je vous parlais de ça? En mode track, il y avait tellement d'appui aérodynamique à l'avant que la voiture était trop lourde à l'avant et ça délestait l'arrière et elle avait trop de survirage en sortie de courbe. Et du coup, ils ont dû faire une petite trappe qui s'ouvre en mode track devant la suspension avant pour permettre au flux d'air d'avoir un peu moins d'appui sur la voiture et du coup qu'elle ait un équilibre un peu plus neutre. On peut parler des heures de l'aérodynamique de cette voiture. L'aileron arrière, là, il est rétracté. C'est un aileron qui se déploie à haute vitesse. Il sert d'aérofrein, donc là, en haute vitesse, il va être bas pour pas qu'il y ait trop de traînée. Et il va se lever et se mettre quasiment à la verticale au freinage et changer de morphologie. Ça, c'est un truc que Ford a introduit. Là, vous le voyez ici. Ces petits flaps qui bougent, en fait, avec la contrainte aérodynamique, l'aileron va changer de forme pour avoir un meilleur appui et aider au freinage, faire vraiment un aérofrein et plaquer la voiture au sol pour que le freinage des freins, des roues, des disques soit plus efficace. Encore de l'aérodynamique, les phares qui sont absolument sublimes ne sont pas juste des phares. Au milieu, il y a une prise d'air, donc l'air arrive par l'extérieur ou je ne sais pas quelle prise d'air et tout simplement ressort par là. On a deux échappements absolument incroyables. Un diffuseur en carbone, évidemment. Et surtout, en fait, elle est immense, mais elle est composée de beaucoup de vide. Quand on regarde la carrosserie, ici, c'est vide. Là, c'est vide. C'est assez impressionnant. On retrouve ça un petit peu maintenant sur les projets des autres constructeurs à venir, comme l'Aston Martin Valkyrie, AMG Project One, qui font des voitures un petit peu comme ça, très légères, avec beaucoup de vide et d'aérodynamique pour tout simplement... avoir une meilleure adhérence. On va regarder l'intérieur. Donc faut enjamber la monocoque en carbone. Ça y est, on est assis dans la Ford GT. La porte ici, on la referme gracieusement. Hop. On a des magnifiques rétros au bout d'un pic en carbone qui ont une très jolie forme. On voit l'aéro de la hanche arrière de la voiture. Et ici c'est pareil, c'est beaucoup de vide, le tableau de bord. Ici, c'est vide, c'est du carbone, du cuir, un petit peu d'alcantara. Là aussi, c'est vide. On a un volant un petit peu intimidant avec tous les contrôles, tous les boutons dessus. Une barre de LED en haut, ici, qui permet de savoir quand passer les vitesses. Des palettes en métal. Le pédalier, comme je vous ai dit, qui peut être déplacé. Et on a des compteurs totalement digitaux. Ça veut dire qu'en gros, selon le mode de conduite qu'on choisit ici, normal, wet, sport, track ou Vmax, ça va changer la façon dont les informations s'affichent au compteur pour avoir une information pour le pilote qui est plus détaillée, plus simple, juste la vitesse ou alors la vitesse enclenchée, les tours minutes. Et voilà, on a quand même beaucoup de boutons. On retrouve quand même de nombreux composants qu'on trouve sur des Ford normales, comme ici les phares, là pour les vitres ou les rétroviseurs, ça on le retrouve dans toutes des Ford normales. Je pense que ça permet aussi d'économiser un petit peu de sous sur le prix de la voiture et sur la recherche et développement, de mettre des trucs qu'on sait qui marchent déjà très bien. Je vais ouvrir un petit peu la porte parce que je meurs de chaud. Pour ça, on appuie là sur le petit bouton, hop, et on pousse la porte qui s'ouvre avec le vérin. On voit ici les parties en aluminium du châssis. Pour vous dire, la monocoque en carbone est tellement résistante que lors des crash tests, Ford n'avait même pas à réparer la monocoque. Il réparait juste les panneaux de carrosserie et éventuellement les autres éléments techniques qui étaient abîmés. Mais la monocoque en carbone du châssis ne souffrait pas des crashs. Incroyable. Donc voilà, la position est assez impressionnante. On a des sièges baquets, carbone, cuir Alcantara, des harnais pour être bien harnaché. Et derrière, on aperçoit le V6 biturbo 3,5 litres EcoBoost, qui est le moteur Ford EcoBoost le plus puissant jamais produit, 647 chevaux. J'ai hâte de la conduire cet après-midi. C'est un peu intimidant. Là, on a le bouton start. Ici, le bouton du nose lift. Là, pour la fermeté des suspensions. Ici, si on veut désactiver le contrôle de traction, les feux de détresse. Et ici, c'est pour choisir si on veut être en parking, marche arrière, neutre ou en drive. Ici, le petit bouton pour mettre la voiture en manuel, le bouton start. On a quand même des petites prises USB et ici, le système Media Ford Sync 3, je crois, si je ne me trompe pas. On a une petite clim, un petit tour en Alcantara. Et aussi, chose incroyable dans cette voiture, c'est qu'elle a un arceaucage construit à l'intérieur. Ça veut dire ici, à l'intérieur et là, dans la structure du toit, dans la structure supérieure de la voiture, il y a un arceaucage intégré à la voiture qui suit les réglementations de la FIA, donc l'arceaucage est totalement homologué. Impressionnante. Petit coup d'œil au moteur, recouvert de carbone.
le réservoir d'huile et tous les composants, boîte de vitesse, tout ça, ont été déplacés beaucoup à l'arrière pour que le moteur soit le plus central possible. C'est un moteur central arrière. Voilà, c'est un rêve qui se réalise. Ford GT 2017. Sur ce, je vais aller manger et on va se retrouver après pour la course. GT qu'on va conduire, la bleue, il fait extrêmement chaud. C'est la journée la plus chaude de la semaine ici, près de Clermont-Ferrand. Petit aperçu du bruit. Bruit bien rauque du V6. Hop, du mode normal au mode race, elle descend d'un coup, l'aileron derrière se relève d'un coup. C'est impressionnant la vitesse du système hydraulique. Là on voit l'aileron relevé, elle est posée au sol. La roue est dans l'arche. Elle est dans la voiture. Hop, ça remonte. Du coup, la Ford GT vient de partir. Elle s'est lancée sur la piste. Je suis le suivant sur la liste. Je vais faire deux tours en reconnaissance dans la Ford Focus RS. Et après, ce sera mon tour sur la GT. Bon, ça y est, le tour de reconnaissance, c'est fait. Je m'installe dans la Ford GT, j'installe ma GoPro et on va partir. Thomas, bienvenue à bord de la navette spéciale. Donc, je vais te laisser tourner ce magnétino là et on va se mettre en mode track directement. Là, tu as une track mode, tu appuies sur le petit bouton OK. On va descendre. Et on va descendre la voiture de 5 cm. En appuyant sur la pédale de frein, tu vas pouvoir tourner pour te mettre jusqu'en mode drive. Appuyer sur le M pour passer en mode manuel et utiliser les palettes. D'accord. Je te laisse donc serrer quand même les sangles à l'avant. Comme ça.
Merci à toi. Et puis, bah, ok. Bon, ça y est, je viens de garer la Ford GT. J'en reviens pas de rien de dire ça. Trois tours. Et là, les ingénieurs sont un petit peu inquiets parce que visiblement, les pneus sont un petit peu finis. Et je suis pas le seul, évidemment, invité ici. Il reste des gens à passer. J'espère qu'ils le resteront assez de gomme pour faire le tour. Impressionnant. J'avais peut-être une poker face, genre j'avais l'air sérieux, mais les sensations sont incroyables quand on dépasse une certaine zone. Le turbo vous écrase dans le siège et surtout le bruit est très 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 beau. C'est une voiture de course, c'est pas comme Ferrari ou ce que j'ai pu conduire jusque là où ça reste bon pour la route. Ici en mode track, on est à 70 mm du sol, 7 cm, une adhérence incroyable, un train avant qui s'inscrit dans les virages par la pensée. Le volant, il est hydraulique, il n'est pas électronique, même s'il est assisté électroniquement, on sent tout. Donc là, dans la direction, c'est fabuleux, fabuleux. Les freins carbone céramique, les pneus qui sont un petit peu usés. Et en fait, les jantes sont en carbone, elles sont peintes en noir, mais en carbone. J'allais oublier de vous parler d'un gros problème sur cette voiture. Son prix. 500 000 dollars, soit environ 400 000 euros. On est quand même largement au-dessus de la concurrence qui est McLaren 675LT, Ferrari 488 GTB, mais visiblement celle-ci serait beaucoup plus rapide sur circuit. On attend les comparatifs avec impatience. Donc encore une fois, on est dans un endroit très secret. Je peux pas filmer derrière la GoPro, en revanche derrière moi vous apercevez le plus gros pneu du monde qui est produit par Michelin, qui pèse 3 tonnes, qui permet à des engins de déplacer des masses de 30 tonnes sur des chantiers. Voilà, donc, le plus gros pneu du monde est ici derrière là où on mange. Là-bas, il y a la Ford GT, et derrière, il y a des endroits où il y a marqué « photo strictement interdite », parce qu'évidemment, Michelin développe pas des pneus que pour Ford, mais aussi pour d'autres marques, et les marques développent leurs voitures en même temps qu'ils développent les pneus. Du coup, Michelin a accès à des prototypes de voitures, il développe probablement les pneus pour que la Bugatti Chiron fasse son record de vitesse, mais ça, ils nous le diront pas, et de toute façon, on le verra pas. C'est quand même très très exclusif d'accéder à ce site. Ça y est, on sort de la GT et maintenant, Olivier Plat, bonjour. Bonjour. Donc, qui va être mon chauffeur dans cette voiture. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Écoute, je suis pilote usine pour Ford, un championnat du monde d'endurance avec la Ford GT. Voilà, un vrai pilote. On m'a dit qu'il allait me malmener un petit peu dans cette voiture. On va dire que j'ai hâte. J'ai pas trop mangé, ça tombe bien. C'est parti. Ah oui, il y a des clapets. GT 350R entre sur la piste. V8, 5 litres de 526 chevaux. Moi, j'avais testé celle de 435 chevaux il y a 2 ans. Mais là, ça devrait être une autre bête. Wow.
Hop. Shelby GT350, Ford Performance. Ça sent le pneu incroyablement. Impressionnant, impressionnant, impressionnant. J'ai du mal à marcher droit. L'adhérence dans les courbes. Incroyable. Bon voilà, Ford GT 2017, c'est terminé. L'avoir conduit, un immense privilège, merci Ford. Et bravo à Michelin pour les pneus que vous avez développés, c'est incroyable. Le tour en Shelby GT 350 avec Olivier Plat au volant. Incroyable. On va refermer cette page de ma chaîne pour en ouvrir une autre très très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo si elle vous a plu. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.